Le président ukrainien a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi d'agir immédiatement contre la Russie après le massacre de Boutcha. Plus de détails dans ce journal. Mariupol est bombardé depuis le début de l'invasion russe. Des réfugiés témoignent de l'enfer qu'ils ont vécu avant de fuir pour se rendre dans ce centre de Zaporijia. Le massacre de Boutcha en Ukraine a suscité l'indignation dans le monde entier. Le commissaire européen à la justice a évoqué la nécessité de récolter les preuves. De nouveaux bombardements à l'est font craindre à la population une offensive majeure de la Russie. À Kramatorsk, plusieurs centaines de personnes tentent de fuir. Après le massacre de Boutcha, le président ukrainien s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. Pour sa première allocution devant l'organisation depuis le début de l'invasion russe, le dirigeant a appelé à ce que la Russie soit traduite en justice et exclue du Conseil de sécurité au regard de ses crimes de guerre commis en Ukraine. Je m'adresse à vous au nom des personnes qui honorent chaque jour la mémoire des civils qui sont morts, qui ont été abattus avec une balle derrière la tête, après avoir été torturés. Certains d'entre eux ont été abattus dans la rue, d'autres ont été jetés dans des puits, et ils sont morts dans la souffrance. Ils ont été tués dans leurs appartements. Des grenades ont détruit leurs maisons. Des civils ont été écrasés par les chars alors qu'ils étaient assis dans leur voiture au milieu de la route. À Boutcha, les découvertes macabres se poursuivent, comme ces corps brûlés entassés à l'extérieur. De son côté, Moscou continue de nier le massacre, martelant que les images sont falsifiées. Le ministre des Affaires étrangères russe accuse l'Occident de dégrader les pourparlers de paix en diffusant ces images. Ces derniers jours, la machine de propagande de l'Occident et de l'Ukraine a travaillé exclusivement pour alimenter l'hystérie autour des vidéos qui ont été filmées à notre connaissance par l'armée ukrainienne, par le service de sécurité de la ville de Boutcha, dans la région de Kiev. La question est, quel est le motif de cette provocation ouvertement mensongère qui ne peut être justifiée? Nous pensons que c'est une excuse pour rompre les pourparlers, alors même que nous voyons la lumière au bout du tunnel, aussi faible soit-elle. Selon Kiev, des crimes de guerre sont commis dans de nombreuses autres villes, comme ici à Borodyanka, près de la capitale, où des dizaines de civils seraient enterrés sous un immeuble bombardé. Après avoir passé des semaines éprouvantes dans des villes occupées par les troupes russes, ces Ukrainiens trouvent enfin refuge dans ce centre de Zaporijia. Ici, ils sont nombreux à avoir fui la ville de Mariupol, assiégée et bombardée sans relâche depuis les premières heures de l'invasion russe. C'est le cas d'Angela, qui raconte son calvaire avant de s'enfuir. Un homme avec une mitraillette nous a dit de nous allonger par terre. Nous étions allongés sur du verre brisé. Ils ont tiré avec des chars sur notre immeuble de 12 étages, qui a ensuite pris feu. L'homme avec la mitraillette tirait sur des gens lorsqu'ils sortaient du bâtiment. Je me suis couchée et j'ai dit aux enfants de ne pas sortir pour ne pas être tuée. Après cet épisode, Angela a décidé de fuir avec ses petits-enfants, en laissant sa mère et sa belle-sœur derrière elle, trop fragiles pour voyager. C'était la pire décision de toute ma vie. J'ai dû choisir entre ma mère et mes petits-enfants. Des situations invivables pour ces réfugiés qui ont tout laissé dans l'enfer de Mariupol à 200 km de là. Ivan a lui aussi choisi de s'échapper après que l'immeuble dans lequel il vivait a été bombardé par les forces russes. Bien sûr que nous étions rassurés dès que nous sommes sortis du territoire contrôlé par les Russes. C'est devenu beaucoup plus facile dès que nous avons vu nos concitoyens ukrainiens. À l'horreur vécue s'ajoute un sentiment d'incompréhension parmi ces réfugiés. Pour la majorité d'entre eux, ces crimes creusent un fossé entre les peuples russes et ukrainiens qu'ils considèrent comme frères. La découverte du massacre de Boutcha en Ukraine a suscité l'indignation dans le monde entier. De nombreux responsables politiques appellent à ce que la justice internationale soit saisie. Euronews s'est entretenu avec le commissaire européen à la justice qui a évoqué la nécessité de récolter les preuves sur le terrain. Le premier objectif est de collecter les preuves, de les préserver et de donner suffisamment de matériel aux procureurs ukrainiens, européens
et à ceux de la Cour pénale internationale, qui a la compétence universelle d'organiser non seulement l'enquête, mais aussi de poursuivre les responsables de ces crimes. Que sait-on jusqu'ici? A-t-on recueilli les preuves nécessaires pour parler de crimes de guerre? Absolument, nous avons relevé des preuves très évidentes de crimes de guerre à Boutcha et dans d'autres villes. Mais pour aller plus loin, nous devons recueillir toutes les preuves possibles. Il peut s'agir de vidéos, de témoignages et de tout type de preuves possibles. Nous sommes tous choqués par les images, mais le délai de la justice est assez long. C'est pourquoi nous devons recueillir ces preuves pour entamer des poursuites et organiser un procès. Avec de nouveaux bombardements russes, le Donbass sous contrôle ukrainien se vide de sa population. Ici à Kramatorsk, des centaines de personnes tentent de fuir en montant à bord de ces trains bondés. Cette grande ville craint une offensive majeure depuis que Moscou a annoncé vouloir concentrer ses efforts sur la libération de toute cette région de l'Est. Kramatorsk pourrait se retrouver encerclée puisqu'elle est au centre de la ligne de front longeant Donetsk et Lugansk. L'armée russe tente de prendre en tenaille l'armée ukrainienne, déployée au milieu de cette région séparatiste pro-russe depuis 2014. L'OTAN s'attend de son côté à ce que la Russie crée un pont terrestre vers la Crimée déjà occupée. La mission de l'OTAN est de fournir un soutien à l'Ukraine. Nous le faisons avec des équipements militaires modernes, un soutien financier, militaire ainsi qu'humanitaire. Nous savons qu'il existe un lien très étroit entre ce qu'ils peuvent accomplir à la table des négociations et leurs forces sur le champ de bataille. Ce mardi, le centre-ville de Kramatorsk a été touché par des frappes russes. Une école a été détruite, mais aucun bilan humain n'a pour l'heure été communiqué. Les autorités ukrainiennes craignent un sort semblable à celui de Mariupol, qui selon elles serait détruite à 90%. La situation ici à Odessa en Ukraine est relativement calme. Nous avons entendu les sirènes qu'une seule fois dans la nuit vers 4h30 du matin et aucun incident majeur n'a été signalé par les autorités ukrainiennes. Par contre, la tension monte et s'est encore accrue ces dernières heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne pensait pas que l'Ukraine soit le dernier objectif de cette intervention militaire commandée par Vladimir Poutine. Selon Volodymyr Zelensky, si les forces russes parviennent à contrôler Odessa, cette ville portuaire de la mer Noire, elles tenteraient d'aller plus loin, notamment vers la Moldavie. Il faut savoir que nous sommes à un peu plus d'une heure de route de la Moldavie. Et là-bas se trouve le territoire de la Transnistrie, une enclave qui est contrôlée par Moscou depuis plusieurs années et où la présence militaire russe a été renforcée depuis le début de la guerre. Mais pour atteindre la Moldavie et Odessa, les troupes russes doivent d'abord passer la barrière de Mykolaïv. Cette ville a servi de tampon à l'offensive russe venant de Kherson, qui est contrôlée par les Russes depuis déjà plusieurs semaines. La ville de Mykolaïv doit faire face à de nombreuses attaques. Au moins 11 personnes ont été tuées lors des dernières offensives russes et toutes les victimes étaient des civils. Les autorités locales ont également signalé que des hôpitaux, des écoles et des jardins d'enfants ont été bombardés. Selon Kiev, il ne s'agit plus uniquement de cibles militaires, mais des civils aussi sont attaqués, ce qui augmente le nombre de victimes. Sergio Ferreira de Almeida, en Odessa, en Ukraine, pour Euronews. Le Burkina Faso suspendu au verdict du procès des assassins présumés de Thomas Sankara. L'ancien président père de la révolution devenu une icône avait été tué en 1987 avec ses collaborateurs lors d'un coup d'état. Le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme à l'encontre des 14 prévenus pour attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat. Le délibéré est attendu dans la journée. Les talibans au pouvoir en Afghanistan interdisent la culture du pavot à opium, alors que le groupe tente d'apaiser les inquiétudes de la communauté internationale concernant le contrôle des drogues. Les agriculteurs ont été avertis qu'ils risquent la prison s'ils poursuivent la récolte actuelle. La lutte contre la drogue a été l'une des principales demandes de la communauté internationale aux talibans afin de mettre fin aux sanctions.